Sashi puki shukshi metokta mreva pinji ni de genpadi sangi shinto mite uluai doku nanda jin la jopa choki dam guru ratna mandala kam yatayami. Donc reprenons où nous en étions arrêtés hier. Donc on avait parcouru la page 57 et nous avions vu le deuxième type d'aspect, en tout cas les aspects relevant donc de la caractéristique de l'origine, en relation de la vérité pardon de l'origine. Et nous avions vu donc les aspects relevant, enfin consistant en l'absence d'existence de l'objet référent d'attachement, d'aversion et d'ignorance. Donc, prenons à présent donc les derniers aspects en relation avec la vérité de l'origine, mais un aspect, en l'occurrence c'est un aspect ici, un type d'aspect qui est relié en particulier à la troisième caractéristique, la caractéristique de forte production donc de cette vérité de l'origine. Et cet aspect donc est ainsi intitulé qu'il s'agit de l'aspect donc d'un connaisseur des chemins, donc comme toujours, l'aspect d'un connaisseur des chemins, on dit non affecté, on pourrait dire non perturbé, si on voulait nyomon mébé, non perturbé, on pourrait dire littéralement, non affecté par les perturbations, et qui consiste pardon, en l'activité mentale incorrecte, ces fameuses donc, considérations inappropriées, ou si on voulait le dire plus vulgairement, les projections, les idées en fait, qu'on va plaquer sur quelque chose. Donc c'est l'activité mentale incorrecte. Et c'est ce qui, justement, nous perturbe autant, enfin, nous agite autant habituellement, finalement, nous trouble autant. Voilà. Et c'est finalement cette activité mentale incorrecte qui nous amène à distordre encore davantage finalement la réalité. En ce sens que c'est elle qui, sur la base de quelque chose de plaisant, nous le rend extrêmement plaisant et va favoriser forcément l'émergence ensuite de l'attachement, ou au contraire, sur la base de quelque chose a priori de désagréable ou déplaisant, va le rendre très fortement déplaisant pour telle et telle raison et favoriser donc la survenue de l'aversion. Et de quoi finalement à quoi s'oppose finalement la méditation et la réalisation d'un tel aspect, c'est finalement aux conceptions fausses que nous nourrissons habituellement, conceptions incorrectes qui nous amènent à considérer comme pur ce qui est impur, comme relevant du bonheur ce qui relève de la souffrance ou qui a pour nature la souffrance, comme permanent ce qui est impermanent et comme doté d'un soi, d'une entité, ce qui en est dénué.对了哇，俺们都啥经验呢？就碰过的，怎么修因，咱们就经过了，是吧？怎么修因，咱们也没俺们大姐姐那哈过的，是你们开始去，所以嘛就得的，等下哈过的是吧？咱们就是别的，这么开始，得几个的是吧？等于这个呢，得，等于俺们都给，咱们这军队团队啊，给电话的时候，电话我那一三个了，是吧？电话手机，电话也不用三个，得了查询养就结果了，我的都是大概呢。 Donc
sakje dewasla de nyomo de chebe ki dewachire wa nyomo gi ji su chang ni yong xia be ki dewachire de yin de ge ne jun zangma me ba dukja ji de ni chongwa yin da ju zangma me dukja sa la na da ka lo ma xia ba chi ki la de ni chong xia ba yin da an de ya ga ji ka wa yore yong ai ma ba wa de yin da de wa zin ya de yin zu le de ni ani ma zu 차다 모습 망부지기도 왔어. 제가 다과된 거 같아서 말하는 거 드렸어. 다과된 거로. 안 되나시 나도 줘봐 진 거로 봐. 말하는 거랑 숲도 줘봐. 소소소 다 란저도 봐. 진 거로. 어 다 됐습니다. 어 된줄에 되니다. 먼저 뒤치고 그랬어. 제가 되게 아니 어 디 노바레스 디 제기 말했어. 되게 심해 봐. 아니 다 웃음도 또 그랬어. Et ces perceptions incorrectes, ou ces conceptions plutôt incorrectes, nous les développons continuellement. Vis-à-vis, par exemple, de nos agrégats, et en particulier vis-à-vis de notre corps, nous avons tout simplement l'impression, nous sommes même convaincus finalement, fondamentalement, de prime abord, comme ça, notre corps est quelque chose de pur, en fait, alors que pur au sens, on peut dire aussi propre, ça peut être aussi dans ce sens-là, mais pur. Et pourtant, il suffit de le laisser en l'état quelques jours pour se rendre compte que ce n'est pas forcément sa véritable nature, en fait. Pour ce qui est de la conception incorrecte qui se méprend quant à ce qui est du bonheur et de la souffrance, on va considérer donc certaines choses comme étant du bonheur et l'on va s'y accrocher, l'on va s'y attacher. Alors que, en fait, oui, il s'agit bien d'une expérience plaisante, on a bien affaire à des sensations plaisantes, à quelque chose qui est agréable, donc du bonheur, du bien-être, mais qui est contaminé. En fait, quel est l'agent en fait, contaminant, finalement ? Ce sont les émotions perturbatrices. C'est une des actions qui ont été menées sous l'emprise de perturbations comme ne serait-ce que l'ignorance, la confusion mentale, et qui découle finalement en une expérience qui sera du bonheur, du bien-être, parce qu'il y aura eu des actions vertueuses, mais cette action aura été contaminée, par exemple, par la confusion mentale, notamment, et donnera naissance donc à un bonheur contaminé, donc qui ne peut pas être de la nature de la souffrance. Mais de par cette conception incorrecte que nous avons de nous tromper, enfin de mal comprendre la nature de cette expérience-là, nous la considérons comme du bonheur et nous nous y attachons, donc ce qui renforce notre attachement. Pour la permanence, la conception incorrecte de la permanence à cette flagrant, combien on conçoit spontanément que nous-mêmes ou toutes les choses qui nous entourent sont permanentes. Et en ce qui concerne la dernière conception incorrecte, donc la conception d'un soi, c'est également quelque chose dont on est affligé, en ce sens que l'on conçoit continuellement notre identité, notre jeu, en fait, notre moi, notre jeu, comme étant une entité distincte ou qui fonctionne de manière complètement autonome. Et le propre ici, donc, de la méditation, de cet aspect-là, en tout cas ce qui relève, en tout cas de cette catégorie, de cet aspect-là, donc dénué donc de perturbations, non affecté par les perturbations, c'est d'amener à réaliser directement donc l'absence d'existence réelle, toujours pareil, hein, de l'objet référent justement de ces applications mentales incorrectes, c'est-à-dire de ce qui suscite justement ces différentes projections. De sorte que finalement, une fois cet aspect réalisé, il n'est plus d'activité mentale incorrecte. On ne projette plus, en d'autres termes. Alors, si l'on regarde le dernier aspect dont il est question ici, c'est un aspect, donc dans le contexte de la vérité de l'origine, c'est l'aspect qui est relié donc à la quatrième caractéristique de cette vérité de l'origine, à savoir la condition. Et cet aspect, on le dit comme étant l'aspect... Il y a...
Pardon, l'aspect donc de non-existence l'aspect de non-existence des êtres indépendants. Donc, il y a toujours ce mot sensible, cet être sensible. Donc, c'est toujours ce terme de samchana hein, par opposition à ce qu'est un Bouddha. C'est uniquement ça. Mais bon, des êtres indépendants. Oh, tadi simje meva sa de simje yo maris ne labyo maris roa. Ta simje meva sa di ni rawa me simje meva sa ne. Tende chik de shi chin an tende chik lebi do roa. Dil lebi ga ne ta di kharu khogu do la ne ranja tu begi ni simje meva sa. Alors, ne nous trompons pas quand on lit ici, en fait, un aspect qui réalise directement la non-existence des êtres indépendants, ça ne veut pas dire que ce n'est pas nier l'existence des êtres Semchen Meba. Ah oui, parce que non, en tibétain, il est simplement l'expression donc de l'aspect, on dit, c'est l'aspect de la non-existence des êtres. Voilà. Pardon. Et donc, il faut bien comprendre, voilà, quand cette expression est utilisée, ça ne nie pas tout bonnement l'existence des êtres, ça nie en fait l'existence d'êtres indépendants, ici au sens indépendant, qui existe de manière donc autonome. Dans la guirlande ou le rosaire d'or, la guirlande d'or, Jerinpoche dit ainsi, il s'agit en fait de l'aspect qui réalise le non-soi des êtres, en fait. Alors, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que cet aspect donc, qui réalise directement le non-soi des êtres, c'est-à-dire la non-existence d'êtres indépendants, est un aspect qui sert d'antidote en fait, à cette fameuse jikta, c'est-à-dire à la vue de l'ensemble destructible. Jikta, c'est à dire que c'est un peu comme ça. Jikta, c'est un peu comme ça. Comment se définit, si l'on revient du côté de la définition, comment définit-on en fait cette fameuse jikta, cette vue de l'ensemble destructible si on la définit donc, selon bien sûr le système des Madhyamika Svatantrika donc, qui nous intéresse ici, en fait c'est une sagesse dit perturbée en fait, qui conçoit en fait, en relation donc avec mon propre continuum, le je et le mien comme existant de manière autonome et substantielle. Donc c'est une sagesse perturbée qui conçoit en relation avec mon propre continuum le je et le mien comme existant de manière autonome et substantielle. Donc ça c'est la définition de jikta selon les Panyamika Svatantrika bien sûr. Oh, de la dégane. Rangju ji nga da nga ye ba sala ya de gi kar le dun su su ji ji de be gi chue ji la ma do an xing chi lo gi chue la mi ya gi ge shi gi men do su ba de yin de ga ne rangju ji nga sa de kang sa ra da nga do ji na lon de nga ra sa la ji ji wa nga ye ba la de nge gi ji ji ani ni len ji phong bo phong bo nga wo an nge ji ji de phong bo nga wo kar na mi na o de la mi ne ani nga yi wo nyam be zi ya de la ani. Et donc ce que l'on comprend de suite et qu'il faut garder très clair à l'esprit, c'est que lorsque l'on parle donc de la vue de l'ensemble destructible, donc de cette fameuse jikta, c'est le terme en tibétain, hein, la vue de l'ensemble destructible, en fait, caractérise bien en fait, le je et le mien en relation avec mon propre continuum, en fait, qui existe sur mon propre continuum. Ce n'est pas le je et le mien d'une autre personne, c'est bien le je et le mien, c'est une vue qu'on développe en relation uniquement
vraiment avec son propre jeu et ses propres possessions. Et qu'est-ce qu'on entend ici par le jeu ou le jeu, en fait, c'est le moi, en fait, ou donc mon identité, en d'autres termes. Donc, en ce qui me concerne, ce sera Geshe Loden. Et ce qui est mien. Oui, c'est pas drôle. Ce qui est mien, donc, ce sont mes agrégats. Donc. Valérie, vous m'aurez mal à l'agrégat. J'ai. Ouais. Moi, j'existe pas. Da ranji jinga da ngaye ba karum ne nga ranje to ba to zigmare sin sungore sarwa. Et là encore, donc un tel aspect que réalise-t-il, c'est comme précédemment finalement l'absence d'existence réelle, donc de l'objet référent, donc d'une telle vue, donc de l'ensemble destructible. C'est-à-dire voir l'absence d'existence. Mais bon, on s'en doute pas, Inza. Pardon, j'ai dit l'absence d'existence réelle, mais tout simplement, c'est pas du tout réel. C'est tout simplement l'absence d'existence tout court. Autant pour moi, excusez-moi. Je crois d'ailleurs que je me suis laissé emporter tout à l'heure. Si vous réécoutez, corrigez-le. Par rapport à l'attachement, tout ça, quand j'ai dû relire, j'ai dû rajouter absence d'existence réelle. C'est l'absence d'existence tout bonnement de l'objet conçu. En fait, il n'existe pas, en fait, pardon. Donc, en fait, cet aspect, pardon, ici, cet aspect de condition, donc qui a trait à cette caractéristique de la condition, réalise directement donc l'absence d'existence de l'objet référent de la vue de l'ensemble destructible. C'est ça. Donc, en d'autres termes, l'absence d'existence d'un je et d'un mien existant sur mon propre continuum, existant de manière autonome et substantielle. Voilà. Et on se souvient, donc, c'est donc cette jigta, cette vue de l'ensemble destructible, étant considérée comme la racine même du cycle des existences. Et là, on peut directement, lorsqu'on parle donc de la vue de l'ensemble destructible, on peut directement revenir toujours à ce point dans l'entrée au milieu, dans lequel Chandrakirti dit, en parlant des êtres, donc est-ce qui suscite sa compassion et que justifie l'hommage qu'il rend à la compassion, en disant je loue en fait cette compassion pour les êtres qui sont impuissants et pareil dans leur course à un saut dans un puits. Pourquoi ? Parce que initialement ils adhèrent à un soi, disant je, puis produisant l'attachement aux choses, ils proclament ceci est mien. Donc, et c'est là où est développé en fait toute la vue de l'ensemble destructible. Oh, des. Ça donne mal de nerfs, quoi. T'as ni pas dit, t'as l'amdenji, non pas, d'une dien, tamja dans, tebe gonen, je sais pas, les gens sont les, quoi. Tamja c'est à dire, jubja c'est, quoi. Teba c'est à dire, jumdenji. Alors ensuite, on va aborder maintenant les aspects donc, qui relèvent de la vérité du chemin. Il y a sept aspects, et ici, donc, par contre, ces aspects sont exposés donc, de quel point de vue ? Ils sont exposés du point de vue, ce qu'on appelle la thèse et la preuve. Donc la thèse, en fait, c'est, on est moins habitué de ce terme, mais c'est ce qu'on appelle le prédicat, c'est-à-dire la chose à prouver, tout simplement. Enfin, pour avoir une hypothèse, un postulat, et c'est ce qui va être à démontrer, à prouver, donc ça c'est la thèse. Et de l'autre côté, il y a la preuve, c'est-à-dire la raison qui va être apportée justement pour valider ou non cette thèse. Ta lamde de la lam rigba duba ni jonsne ta shior was tinalo ne ta lam la temba de la ni dubja chi ta dubja chi ni le ngore sro wa.
Alors, là encore, donc, cette vérité du chemin, donc, comme les autres, est caractérisée par quatre points. La première caractéristique est le chemin, la deuxième est la connaissance, la troisième est l'accomplissement, la quatrième est la délivrance. Et l'on va voir, donc, pour la première, en tout cas l'aspect portant sur la première caractéristique, qu'il présente deux volets. En fait, un volet qui relève de l'engagement et thèse qui va moins bien, mais en termes d'engagement, et le deuxième ensuite qui est la possibilité en fait d'être de cet engagement. Donc on pourrait dire la thèse et la preuve, si on veut garder ça. Là, dégue, tangodi karela na, tsemei ben namba, cela veut dire ça. Tsemei ben namba dan, ni tani dan, ni madelbe, namba asni ni shabare, cela veut dire. Alors ici, en relation donc avec cette première caractéristique qui est le chemin, on a en fait deux aspects. Un aspect qui est l'aspect du caractère innombrable, on peut dire. L'aspect du caractère innombrable ou illimité, si vous préférez. Et ensuite, l'aspect de l'absence des deux extrêmes, ou l'aspect dénué des deux extrêmes. Vous préférez. En fait, qu'est-ce que c'est ce premier aspect, donc, que l'on dit l'aspect illimité ou innombrable? En fait, c'est ce premier aspect qui est qualifié ici donc, de thèse, on peut dire, ou de postulat. C'est que c'est un aspect qui permet d'octroyer au moment du chemin de la vision donc du Mahayana, c'est un aspect donc qui permet l'octroi de la libération à l'infinité des êtres, donc ou un nombre une quantité innombrable d'êtres ou un nombre illimité d'êtres. Donc, de quelle manière donc un tel aspect permet-il ainsi l'octroi de la libération donc à une quantité innombrable d'êtres? C'est comme il est dit en dessous, en n'étant pas associé en fait aux deux extrêmes donc du samsara et du nirvana. Tanida la quand que tanile travas machiwaina ta koale tawatamji simjing ten tardo ba chetugo marwa. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre finalement que cet aspect doit être forcément débarrassé, dépouillé, dénué, si on veut, des deux extrêmes, donc de samsara et de nirvana. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en d'autres termes que la seule obtention, la seule éviction en fait samsara ne permet pas de conduire tous les êtres. Par libération ici, s'entend bien sûr la libération finale, hein, l'éveil, pardon. Mais par la seule éviction donc du samsara ne permet pas de conduire tous les êtres à la libération, donc puisque la seule éviction du samsara peut signer simplement le fait de demeurer dans la paix, enfin de l'extrême de la pacification. Chokdu zimba mebe,
Ok. Lorsqu'on regarde ensuite les deux aspects suivants, qui sont reliés à la deuxième caractéristique, celle de la connaissance, en fait, on en parle donc comme d'un aspect. On peut dire simplement l'aspect de ce qui connaît. On peut le formuler ainsi. L'aspect connaissant, si on voulait dire, mais l'aspect de ce qu'il connaît. Et ensuite, l'aspect qui ne tient pas pour suprême, en fait. Voilà, littéralement. C'est des contractions de l'explication hein, que vous avez à côté. Nambasadi, Karel, the Negi Tajin Tolamte, and Che Tamje, Takondegi Che Tamje, the Bame Bengala, Tamita Musun to Togri, since some of this. Ribe Nambala, Tamidebe Nambachida, Chodu the Bame Nambaji, Nisharwa, Drubje, Chigdi, Drubjache, or Mother Drubje, the Negi Number Nishar. Juste, je corrige que vous le corrigez aussi. Le premier aspect, en fait, je crois que je l'ai intitulé l'aspect de ce qu'il connaît. En fait, non, c'est l'aspect de non-distinction, en fait, de non-différence. Excusez-moi. Termidebe. C'est l'aspect de non-différence, de non-distinction. Et le deuxième, c'est bien l'aspect qui ne tient pas pour suprême, en fait. Mm. Voilà, pardon. Mm. Tangbudi, Tejinji Tolamde, Ni Kondegi Chue Tamje, Demba Mebe Nala, Ni Nyamba. Mousun to Tokwari, Serva. À quoi renvoie finalement ce premier aspect, donc ce premier aspect de non-distinction? En fait, toujours pareil, dans le contexte donc, du chemin de la vision donc, du Mahayana, tous les phénomènes relevant du samsara comme du nirvana sont perçus comme égaux, en fait, du point de vue de leur absence de réalité, en fait. Puisque à ce stade-là, cette absence de réalité, sont perçus comme égaux du point de vue de leur absence de réalité. Tenez. Tigida maribegi, nimbuchiwari, serva. Tadet de nimbuchiwari lamne digrua. Et donc, c'est forcément donc, un aspect qui permet de se défaire de la perception, en tout cas, que tous les phénomènes sont différents, qu'ils sont distincts, en fait. Taniwa de la da, jumzen karelana, chodu de ma mava, salavaris, roi. Comment cela, en vertu de quoi cela est-il possible, finalement? C'est ce que montre le deuxième aspect ici. Donc, on est toujours dans cette paire, en fait, de thèses et de preuves. Donc, comment cela est-il possible? C'est au moyen, donc, de l'aspect, c'est réalisé au moyen de l'aspect qui ne tient pas pour suprême. Qu'est-ce qui n'est pas tenu pour suprême? C'est les chemins donc, des auditeurs et des réalisateurs solitaires. En d'autres termes, ici, donc, c'est un aspect donc, fondamentalement qui ne considère pas comme suprême les chemins des auditeurs et des réalisateurs solitaires. Et donc cet aspect, en fait, est, outre cela, finalement, consiste en quoi? Consiste en une sagesse supérieure qui réalise directement, en fait, l'éviction, l'élimination donc, des élaborations. C'est-à-dire par élaboration, c'est de conception de l'existence réelle. Donc,
Et donc ça, c'est de ce fait-là, donc une telle sagesse est en capacité, donc dans la mesure où elle ne tient pas, elle ne considère pas comme suprême les chemins des auditeurs et des réalisateurs solitaires, et qu'elle-même, elle réalise directement l'absence, en d'autres termes, des élaborations qui sont donc les conceptions d'existence réelle. Une telle sagesse est en mesure de, quelles que soient finalement les pratiques à laquelle s'adonne ce bodhisattva-là, de pouvoir développer toutes les qualités du Mahayana. Tenda dube namba la temba se wa namba mi dube namba tang shen dume be namba se wa ta din thamal lam shi namba jana no ma jana ta shel dume be namba se. Ensuite, donc il y a les aspects donc qui est relié donc à la troisième caractéristique, donc celle de l'accomplissement en relation avec la vérité du chemin, qui consiste donc pour le premier en l'aspect dénué de conceptualisation, d'une part, et le deuxième est l'aspect shel tumepa. On peut le traduire comme, de non-évaluation, pour rester avec le terme qu'on va utiliser, mais on va voir. L'aspect de non-évaluation, on va dire arbitrairement. Ta tango de trubja de karere eslam na, wa, dende ki tejin tolam te, ani, che tamje demba me ba, monsun de togre, ani, dembe nambar me togbe, ishire, sine lavare, sirwa. Nambar mitoba la de dembar nambar mitoba. Nambar mitoba c'est de dembar nambar la la de somme la toi los. Donc cet aspect, ce premier donc des deux aspects ici, donc relevant de l'accomplissement, c'est un aspect en fait qui n'est autre donc qu'une sagesse. En fait, on l'a littéralement ce qu'on a écrit ici. En fait, cet aspect n'est autre qu'une sagesse supérieure qui réalise directement tous les phénomènes. Donc, comme étant dénué d'existence véritable, et qui ne conceptualise pas donc ces phénomènes comme existant réellement, comme existant véritablement. Au demeurant, donc, c'est les aspects ici relevant autant donc la caractéristique, ou en tout cas les aspects, pardon, de la caractéristique de connaissance comme les aspects de la caractéristique d'accomplissement, finalement, réalisent tous deux directement, en fait, le non-soi des phénomènes. Non-soi subtil des phénomènes. Et ce qui les distingue, donc ce qui distingue, sous-entendu, donc ce chemin de la vision du Mahayana, donc ce Bodhisattva, des chemins donc des auditeurs et des réalisateurs solitaires, pardon. Je veux dire qui est supérieur et en même temps solitaire, ça le fait pas. Donc pardon. Donc qui est supérieur de fait, donc ou qui les distingue, c'est la même chose, des chemins des auditeurs et des réalisateurs solitaires. Pourquoi ? Parce que ces auditeurs et réalisateurs solitaires, eux, n'ont pas besoin de réaliser, donc ils n'auraient pas indispensable, ils n'ont pas besoin de réaliser le non-soi des phénomènes, donc pour arriver au terme de leur propre cheminement. Et pourquoi dit-on en fait, pourquoi une telle sagesse est-elle en mesure de réaliser, outre le fait de réaliser que les phénomènes donc sont dénués d'existence, que cette sagesse, outre le fait de réaliser directement que tous les phénomènes sont dénués d'existence réelle, en vient à ne plus même les conceptualiser comme existant réellement, comment est-elle en mesure de faire cela ? C'est parce qu'elle réalise directement que tous les phénomènes, donc ultimement, sont au-delà en fait d'une évaluation
sont au-delà de toute possibilité d'évaluation par une perception avérée. On peut le voir comme ça. Donc, c'est, vous avez le manuel ou pas? Parce que sinon, je parle en l'air. Ok, ce sera plus facile. Hein. Donc, c'est une sagesse supérieure qui réalise directement que tous les phénomènes, ultimement, sont au-delà de toute possibilité d'évaluation par une perception avérée. En fait. Ça veut dire, en d'autres termes, que ça ne peut pas être l'objet d'observation d'une perception avérée. Plus en plus simplement. Et le dernier aspect ici, donc le dernier des septièmes aspects, donc le septième aspect de la vérité du chemin en relation avec la délivrance ici, donc on voit que c'est simplement évoquer le postulat, en quelque sorte ici, sans de preuves soient expliquées. Cet aspect, donc c'est l'aspect dénué d'attachement ou l'aspect sans attachement, donc il est indiqué ainsi, et il Et donc, en d'autres termes, cet aspect n'est autre qu'une sagesse supérieure qui réalise directement que finalement, ultimement, il n'est pas d'objet d'attachement. Voilà, c'est ça. Ta dala jumzen magoba re, sera jumzen magoba di ani kongi jumzen tindula teni haku resine tindichin shaba re sa jigdu sera kongi jumzen tindula teni kanglo jumzen magoba yora tindula teni haku resa arabaji tindeda arabaji. Alors, en cherchant dans différents textes, finalement, pourquoi ici il n'y a pas de preuves finalement apportées ici pour valider ce postulat. La seule chose éventuellement que j'ai pu trouver, c'est que il est dit que la preuve est apportée par c'est que on peut comprendre cela. En fait, tout simplement, on n'a pas besoin d'apporter une nouvelle preuve, en ce sens qu'on peut comprendre ce postulat au vu des preuves précédemment apportées. Pardon. Des preuves précédentes. Nyamsha.
Si l'on synthétise finalement ces différents aspects, donc évoqués, enfin reliés en tout cas à la vérité du chemin, que nous montre-t-il ? Il nous montre finalement que leur réalisation, donc la réalisation de ces aspects, permet en fait de comprendre, enfin de se défaire. De réaliser l'absence d'existence réelle de tous les phénomènes relevant du samsara comme du nirvana, permet donc par là même de se défaire de l'attachement et de l'attachement vis-à-vis de quelques phénomènes, là encore que ce soit, relevant du samsara comme du nirvana, comme par exemple permet de se défaire de l'attachement vis-à-vis de la libération. Ce n'est bien entendu qu'à cette condition-là que la libération et ensuite l'éveil, à fortiori, pourront être atteints. Tant que l'on continue à s'attacher en fait, à de telles réalisations, par exemple comme la libération ou l'éveil, donc ceci reste à distance finalement, ceci reste impossible. Donc en d'autres termes, ces aspects permettent donc, dans le contexte de l'équilibre méditatif, dans le contexte du chemin ininterrompu, du chemin de la vision, donc lors de l'équilibre méditatif, je vais le dire en français, permettent de réaliser directement l'absence d'existence réelle de tous les phénomènes lors du chemin ininterrompu, du chemin de la vision, là, tout simplement. C'est bon ce que c'est bon ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai l'impression que j'ai la phrase à moitié. C'est dans ma tête ou j'ai tout dit ? J'ai tout dit. Bon, d'accord. C'est quand même... J'ai glycémie. J'ai l'impression que j'ai dit comme morceau. Non, parce que je ne pense pas avoir dit ce que je voulais dire. C'est-à-dire, non, je pense que j'ai... Est-ce que, enfin, dites-le moi si je l'ai dit, ou quelqu'un, il faut que j'aille me faire soigner. Mais... ce qu'a dit Geshe-la juste à la fin, c'est que... l'application de ces aspects au moment donc, du chemin ininterrompu du chemin de la vision qui consiste en la réalisation donc, directe de l'absence d'existence réelle de tous les phénomènes permet de se défaire de ces différents aspects de l'attachement. Voilà, ça je pense que j'ai pas dit. Ça va ? On s'arrête là ? Ça va ? On s'arrête là ? Ça va ? On s'arrête là ? Ça va ? Ça va ? Et donc, on terminera cet après-midi avec les aspects relevant des deux dernières vérités. Donc, pour terminer, donc, les aspects des connaisseurs des chemins. Oh, sachi peki chunchi me tokam, riraplin chini de gen padi, sanje jindo mi de uluai, dokunam da ching la chopa chok, idam guru ratnam andala kamni adayami. Bonne méditation.